La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais. Il y a les motifs d'étoiles dessus. Ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner? D'autres symboles de pirates. Adam Baldridge, Anne Bonny et Christopher Condent. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte? J'espère encore trouver un trésor ici. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonny et Condent. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Ah, quelle moustache. Presque aussi impressionnante que la tienne. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avry et de Thieu dans l'autre salle. Ouais, t'as raison. Ah oui, c'est vrai, Condant était appelé Billy le Mange. Voilà encore un de ses motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un. Qu'est-ce t'en dis? Le sceau d'Avry et celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. Ouais, t'en sais rien, quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors on est coincé? On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami? Pas loin. J'appelle Sam. Voilà. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. T'as remarqué? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ouais? T'es encore dans la tour? Je viens juste de descendre, là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mace. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Des livres? Un globe? Ce Want, ça devait être un érudit. Ah, Richard Want. Il était le capitaine du Dolphin. Ouh, on dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Tu peux m'aider, celui? J'arrive. Merci. C'est droit? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, ça me gêne. Oh là, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Voilà.
Ben... Franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier. Hey, Nathan ! Ouais ? Terre en vue. Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est pas mal. Tiens-moi ça 2 secondes. Avec tout ça, toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser et prendre la mesure. Attends, là-haut. Je crois qu'on peut dire que c'est artificiel. Faut monter jusqu'à cette tour. Ouais. Une sorte de vieille tour de guet. Peut-être qu'on verra quelque chose d'intéressant. Bon, allez, on grimpe. Sam, par ici. Bon signe. C'est une sorte de symbole. C'est la flèche d'une boussole. Comment ça t'est venu à l'esprit ? C'est un truc que j'ai retenu entre les dents. Faut toujours appuyer. Regarde en bas. C'est le même symbole. Nouvelle flèche. Allons voir dans quelle direction elle pointe. Allez, le bateau est juste en dessous. La corde pour descendre. Suivons ces flèches, voyons où elles mènent.
flèche là-bas. C'est bon signe, ça. Une grotte secrète, des escaliers. Voilà qui est prometteur. Ton avis, c'était quoi cet endroit ? Ces arches me rappellent beaucoup celles de la cathédrale Saint-Dismas. Mais je sais pas. Allez. Regarde ce que tu peux trouver là-haut. Ça marche. Alors ? Il y a bien un chemin. Et je vois pas de passage pour monter. Attends un peu. Je suis arrivé de l'autre côté. Bon alors, il reste encore à faire traverser. Bouge pas. Sam, où est-ce que t'es? Sam, hé, t'es toujours là? C'est pas vrai. Bon, voyons voir. J'ai ruiné mon mariage. J'ai chassé mon meilleur ami. Je suis pourchassé par deux psychopathes et leur armée. Et maintenant, mon frère a disparu. T'as réussi à monter tout seul ? Où est-ce que t'étais ? J'étais en train de chercher un moyen de te faire monter. Allez, faut que tu sautes le plus loin possible. Merci. Est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien. On avance. Ok. Tu m'entendais pas ? Quand ? Tout à l'heure. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai pas entendu. Pourquoi ? Tu t'inquiétais ? J'avais peur que tu te sois laissé distraire. C'est maintenant que je me laisse distraire. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien de spécial. On y va ? Oui. Allons-y. Tu te sens ? Sam, là-dedans. Ok. Super, on dirait qu'on est toujours sur la bonne piste.
Pas une seule seconde. On dirait bien que ça descend. C'est juste derrière toi. Ça a marché. C'est la deuxième plus grande citerne que j'ai jamais vue de ma vie. Sam, tu devrais venir voir par là. Est-ce que tu t'en sors? Ouais. Les doigts dans le nez. Et voilà. Il se met coincé, on dirait. Oh non, 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 non. D'une façon ou d'une autre, on va y arriver. On va soulever ensemble, ok? Ok. C'est lourd. Pense à cet or qui nous attend. Ouais, pour l'instant, je pense sur toi, mon dos. Merde. Wow. Bon, je crois qu'une nouvelle épreuve nous attend. Ah, mais si, on dirait bien. Les symboles des sphères ne correspondent pas à ceux dans la lumière. Placé dans les lumières. C'est bon. Et ça recommence. Qui on a? Alors attends. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Din Malik et Christopher Condant. 8 sur 12. Aussi loin de la côte des Barbaresques. Comme nous. Il va là où il y a de l'action. Thank you.
quand ils sont dans la ligne. Qui manquait. Je vais te dire, je commence vraiment à penser que notre ami était du genre légèrement narcissique. Non, tu crois? Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a réservé ensuite. Ouf. Ouh, ça fait une sacrée chute. Alors, Nathan, par rapport à tes autres aventures, qu'est-ce que tu penses de celle-là? On en reparlera quand on en aura fini. Cool. Le bateau est en bas. À vous, capitaine. Ok. L'île avec la monstrueuse statue d'Avry est à droite. C'est tellement exaltant que j'en ai littéralement les mains qui tremblent. Ouais, je connais cette sensation. Moi que ce soit à cause de... Je te prends un peu. Il dirait qu'il a une lunette d'approche. Il regarde pas bien dedans. Peut-être qu'il veut qu'on regarde dedans. L'île au trésor vous rongera de chagrin. Allez, Sam. Oh, non. C'est toi qui passes devant. Si, allez, j'insiste. Alors, capitaine, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Là. Alors, il y a une grosse île en forme de crâne ou quoi? Une grosse île. Mais pas de crâne. C'est forcément là. Libertalia. C'est bien optimiste, étant donné la situation. Tu sais, il y a que toi et moi ici. T'as le droit de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enthousiasme. Ouais, bah je serai enthousiaste quand on sera débarrassé d'Alcazar. Allez. Ok. Quoi? J'ai juste dit ok. Non. T'es ok ne veulent jamais dire ok. En général, c'est même carrément l'inverse. Qui tu veux que ce soit? Oh merde.